On regarde, Claude. On va faire Harlequin, pardon. Faisant de la pub. Déjà, 06, si tu donnes... 06, c'est tout, il faut tout dire. Vas-y. Tu vas mélanger. Je mélange. Donc déjà, ça commence bien. C'est bien. Mélange, mélange, mélange. C'est bon ? Non. Je me tourne. Oui. Est-ce que vraiment je vois rien là ? Tout à fait. Bien. C'est pas mon meilleur profil, mais c'est pas grave. Donc tu as mélangé ? Oui. Tu vas couper le jeu en deux. Oui. Et tu vas prendre le tas que tu veux. Voilà. Tu as un tas ? Oui. Tu vas compter le nombre de cartes que tu as dans ce tas. Oh. Donc tu peux changer si tu préfères le plus petit. T'as vu ce silence ? Putain, il m'a perdu. Vas-y, prends-en moins, Claude. Ça va être trop dur pour toi. Arrête de me parler quand je le prends. Allez, c'est vrai que c'est dur à partir de deux. Hein. Il y a ta zoom qui est contente. On a fait tomber une. C'est bon, t'as un nom? Non, non. Ah. Ah là là. Ça y est. Là là. Tu sais le nombre que tu as? Oui. Imagine, tu en as 22. Tu fais 2 plus 2, ça fait 4. Oui. Imagine, tu en as 20, c'est 2 plus 0, ça fait 2. D'accord. D'accord? Tu sais le nombre que tu as? Oui. Tu additionnes les deux? Oui. Tu regardes en partant du dessous, donc des faces des cartes, la carte qui correspond à ce chiffre. Si tu en as 3, hop, tu regardes la troisième et tu la laisses à sa place. C'est dur ou pas? Je dis rien. C'est bon. C'est bon? Et je remets à sa place. Et tu la laisses où elle était. D'accord. C'est bon? Oui. Et tu remets par-dessus le jeu qui reste. Dans ces conditions, est-ce que je peux connaître quelque chose? Absolument pas. C'est impossible. Je peux ni connaître le nombre de cartes que tu avais, ni connaître l'emplacement de ta carte. Impossible. Donc ça démarre bien. Ça démarre pas là, il n'y a pas d'embrouille de... Hein? Non, non. Je ne veux pas y toucher. Hein? En plus. Tu vas poser les cartes ici pour faire 5 tas. Ouais. D'accord, une par une. Et dès que tu as fini, hop, tu recommences jusqu'à la fin. Et moi, je me retourne. Je ne sais pas pourquoi. Oui, retourne-toi. De toute façon, est-ce que toi, tu sais où est ta carte? Je ne sais pas de compter. Non, sans compter. Non, sans compter, je ne sais pas. Alors, compte pas, je ne veux pas savoir. Comme ça, je ne veux pas que tu... Ouais. Comme moi, je lis dans les pensées, j'ai la faculté de ça, je veux pas savoir que où elle est. D'accord ? Ouais. Bien. Ah là là, lida, là là. Comme ça, tu sais pas où elle est. Bon, de toute façon, tu vas être obligé de savoir parce que tu vas... Voilà. Tu vas regarder dans quel tas elle est. Donc, tu prends ce tas et tu regardes si ta carte est dedans. Là, ici. Mais je regarde celui-là ? Non. Dans l'ordre que tu veux. Je regarde celui-là. Elle n'y est pas ? Elle n'y est pas, hein ? Non. Ah, vous la connaissez ? Ben oui, j'ai montré. Vous auriez pu m'aider. Pour te dire où laquelle t'es allée ? Non. Oui, il faut me le dire. Oui. Elle y est ? Oui. Tu prends ce tas et tu le poses sur le tas que t'as envie. Tout ça sur le tas que t'as envie. Non, de ce tas-là. Voilà. Et les deux autres par-dessus. Ouais. C'est bon ? Ouais. Facile ? Ouais. Alors. Ta carte, elle est entre les deux cartes retournées. entre là et là. Entre là et là. Oui, c'est bien. C'est pas mal. C'est bien. Hein, et je vous rappelle que j'ai rien vu. J'étais retourné. Et c'est beau ça. On devrait s'arrêter là, je crois. Tu le vois combien? Je pense que c'était une bonne fin. C'est beau ça. Regarde ce qu'on va faire, Claude. Oui. Tu vas prendre le jeu et tu vas les poser une par une. D'accord. Quand tu en veux, tu t'arrêtes. Et en gros, ben, on va supprimer... Sur le 7. En gros, on va supprimer les cartes que, du hasard qui fait que tu as posé. Tu remets tout ça par-dessus. Donc on étale. Et tout ça, on supprime. D'accord. C'est fort. Ça aurait été plus loin, plus quelque part. D'accord. Mais elle est toujours là maintenant. En disant j'espère. Alors, regarde ce qu'on va faire. On va prendre cette carte et on va la déplacer. On va essayer de les faire une par une, comme ça, doucement. Et quand tu as envie, tu t'arrêtes. Tu me dis, je la déplace. Comme ça. Et quand tu me dis stop, je m'arrête vraiment. Tu vas essayer de bien les toucher pour pas que tu puisses penser que hop, je rip. Tu vois, comme ils font les magiciens. Ouais, ouais, allez, comme le mec avec les dés, là, tout à l'heure. Voilà. Stop! C'est honnête. C'est honnête ? Oui.
Stop. Ouais, c'est là. C'est là ? Ouais. Je l'ai dit. Hein. C'est là. On va faire même comme ça, pour changer. D'accord. Pas Théo. Pas Théo ? Non. Tu me dis, hein. Il va nous manger. Top ! C'est là, je l'ai senti bien, c'est là. Est-ce que j'aurais pu connaître ta carte ? Non. Est-ce que tout ça, c'est toi qui le fais ? Ben oui. Ah, ben ça va. Est-ce que tu aimes même tes émotions ? Top. Ouh. Ouais, dans ce sens maintenant. C'est pas ça ? Presque. Top. C'est là ? Ouais. Stop. Oui. Je veux pas savoir ce que c'est. Est-ce que... Attends, je vais essayer. Normalement, je suis pas comme ça, mais j'essaye. Elle est rouge. Oui. C'est vrai? Oui. C'est du cœur. Si tu regardes les cartes. Rapide comme ça, il n'y en a pas beaucoup au monde. Hein. Oui, c'est du cœur. C'est du cœur. Un petit chiffre. Genre vers le milieu du petit chiffre. Genre entre 6 et 5, mais plus 6. Ouais. Déjà, je l'ai trouvé. Mais est-ce que 6 et celle-là, c'est fort? C'est impossible. Mais là, ça demande des applaudissements. Voilà. Et je l'ai réussi, bravo. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Le tour d'avant, c'était l'impensable numéro 38. Qui était très bien aussi, j'ai pas compris. C'est toi qui... Je te l'ai fait. Oui, j'ai pas compris. Et c'était alors Julien Pellabert qui me l'avait montré. Donc je voulais faire un petit coucou à Julien, j'avais oublié de le faire. Bonjour Julien. Celui-ci, c'est un début de David. Et c'est un final de moi. Donc voilà, on m'applaudit, donc bien fort. Allez, explication.